Depuis lundi, les animations sportives ont débuté et c'est un véritable succès. En effet, les enfants sont en moyenne une vingtaine à venir participer à ces activités. Mercredi, nous sommes donc allés les retrouver à Amnéville et plus particulièrement au Parc Aventure pour une sortie dans les arbres. Mais avant de faire comme Tarzan, un baudrier et des gants sont nécessaires, sans oublier bien sûr des explications et des conseils à suivre et à appliquer tout le long des différents parcours. Test rapide sur le parcours d'essai et c'est parti pour l'aventure. Direction le violet pour les grands et le vert pour les plus petits. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir le thé dans les soukas à Manon. De vrais parcours de combattants entre les tyroliennes à braver, les filets à escalader, les escaliers à passer ou encore les câbles à franchir, sans parler de la hauteur à affronter, les sensations étaient garanties pour ces jeunes. Pour certains, ces parcours dans les arbres étaient une rigolade. Pour d'autres, l'appréhension était plus grande et le franchissement des ateliers un peu plus difficile. Mais peu importe, tous les enfants ont passé une excellente matinée et ils ne sont pas prêts d'oublier ce parc aventure. Alors si comme eux vous êtes âgés de 7 ans et plus et que vous souhaitez participer à ces animations estivales, sachez qu'elles se déroulent jusqu'au 2 août. En attendant, voici le programme des sorties de la semaine prochaine. Mardi, c'est Jeux en plein air à la Balastière. Mercredi, canoë-kayak à Metz. Et jeudi, Jeux de quilles à Amnéville. Les inscriptions se font à partir de vendredi au gymnase C de 14h à 16h. Et pour les autres activités, c'est le jour même. Et si des fois vous désirez obtenir plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter les animateurs au 06 80 93 79 28.